Aujourd'hui, c'était une conférence à propos de l'idée de la civilisation chez Ibn Khaldoun à la lumière de Muqaddima. Elle traite l'idée majeure qui a été derrière la constitution des États, des pouvoirs et de la civilisation. Il a parlé surtout de l'Asabiya, donc on a essayé d'expliciter et de démontrer comme quoi l'Asabiya émane de la faculté animale, et on a essayé de faire une démonstration selon la méthodologie qu'a présentée Ibn Khaldoun dans son livre Al-Muqaddima. On a aussi parlé de l'importance de la religion, comme a expliqué Ibn Khaldoun, que la religion, en plus de l'Asabiya, ils sont des catalyseurs pour la formation des États. Et à un certain moment, si les deux ou l'une d'eux qui se fragilise, il y a la décadence de l'État. Il trouve que c'est un État qui a poussé ou bien qui s'est développé par l'Asabiya, il va se fragiliser si l'Asabiya se fragilise. Mais par contre, un État qui se développe par l'Asabiya, mais surtout en plus de la religion, alors il y a toujours ce vecteur de la religion qui a la possibilité de donner une certaine revivification à la communauté. Donc la communauté, elle peut continuer à exister, mais à condition de renforcer cet élément de la religion. Et à ce moment-là, on ne parle plus vraiment d'un pouvoir, mais on parle de la Ummah. Alors, nous savons tous que le terme civilisation est compris de part et d'autre, chez l'un et chez l'autre, d'une manière complètement différente. Mais cette fois-ci, à partir d'une référence presque universelle, qui est la personnalité de Abd al-Rahman Ibn Khaldoun. Alors, docteur Iman Rouini a fait son effort pour essayer de montrer l'idée de la civilisation chez Ibn Khaldoun et comment nous, on peut tirer parti à travers notre monde actuel et comment on peut actualiser cette expérience ou bien ces leçons qui ont été tirées. J'étais très content de l'assistance parce qu'ils étaient vraiment d'un niveau très important qui a enrichi le débat. Je vous remercie.